I cut so much you thought I was a DJ. Salut tout le monde, c'est Biorware. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft survie avec les dinosaures. Alors face à la dernière vidéo de Minecraft que je vous avais dit, donc je vous avais demandé si je pouvais mettre deux vaches seulement que je pourrais faire accoupler bien sûr pour avoir des petits, avoir de la nourriture et du lait. Et il n'y a qu'un seul abonné qui m'a répondu et c'est un ami, et donc vu que c'était le seul, je me suis dit bon ok. Je vais le mettre. Et c'est très sympa d'ailleurs parce que donc elles sont en bas à mon labo. Et aujourd'hui nous allons avoir notre premier dinosaure. Ça, je sais pas où le mettre. Mais on va avoir notre premier dinosaure. Alors je fais toujours un petit tour avant de faire quoi que ce soit. Mais en fait je viens d'y penser, je sais pas si on l'aura tout de suite. Parce qu'il faut faire des feeders, de la nourriture. Vu qu'un triceratops ça mange du blé, des pommes et tout ça. Et je pense que ça mange des graines aussi. Donc voilà, on verra bien. On se fera un petit dinopédia. Mais pour ça il me faut ça et il faudra que je couple les vaches. Pour en tuer une, hein, oui c'est malheureux de dire ça mais bon. Pour avoir du cuivre, faire le dinopédia. Et comme ça, on pourra faire notre premier dinosaure. Ou plutôt le premier enclos. Alors, je sais pas si je vous montrerai la construction de l'enclos. Oh. Ah, ah. Oh, du poisson. Oh, c'est cool. Bon, du coup, je vais prendre le bois et le temps que je prenne tout ça. Parce qu'on m'a demandé de faire des ellipses. Pendant que je prenais le bois, donc voilà. Ok, c'est bon, j'ai pris tout le bois. Et d'ailleurs, je dois vous dire un autre truc. On m'a dit pour le mosasaur de faire un enclos avec des barrières dans l'eau, ce que j'ai préféré aussi. Et de toute façon, le bois, je vais en avoir extrêmement besoin. Parce que... Non, non, non! Pardon. Je vais en avoir besoin parce que je vais faire des barrières et pas des barreaux en métal pour le triceratops, les herbivores quoi. Mais les carnivores pour ne pas qu'ils s'échappent, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas être à nous dans l'autre mode et qu'ils ne mangent tous mes herbivores, je mettrai des barres en métal. Ça c'est sûr et certain, j'en mettrai mais... Ah d'accord! Wow! Ah ouais! Je me disais, mais j'en récoltais aucun en fait. Ah ouais. Du coup, on va s'ouvrir tous ces petits nids. Et j'ai mis... Il y en a encore qui tombent. Hein. Mais les oiseaux... Ils ont décidé de faire des nids tout le temps. Voilà. Encore ? Ben c'est bien, au moins on pourra faire des arcs, on pourra faire plein de trucs. On va ouvrir tous ces petits nids. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et on va directement aller commencer notre première recherche. Ou alors on va directement mettre notre recherche le temps que ça s'incube, hein, parce que ça prend du temps. J'ai du blé normalement. Yeah. Alors je sais pas pourquoi quand je vais dans mon inventaire, je bug toujours un peu. Je sais pas pourquoi. Ah oui, chose très importante que je tiens à vous dire, j'ai toujours dit que je n'avais aucun planning, donc les vidéos c'était un peu n'importe quand. Et bien je vais vous dire que j'ai un planning, notez-le bien parce que ça peut vous être utile. Et j'ai laissé mon ADN en haut, non? Mais non. Ah non, il est là. Donc si ça sort pas les jours précis, c'est que j'ai eu un empêchement, ça forcément. Et j'ai peur que ça casse, donc je vais rester ici. Et si ça casse, ben merde alors, parce que du coup j'en ai pas d'autres. J'en ai pas de rechange. Je vais regarder ma petite liste. Je mets juste tout ça dans mon inventaire. Alors, le mercredi et le samedi, nous aurons normalement du arc.
le lundi et le vendredi, donc normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est soit un lundi, soit un vendredi. Donc ce sera du Minecraft, et le dimanche, ça dépend si j'ai le temps, on aura du def. J'ai pas d'autres trucs, parce que pour le moment, je suis lancé sur ces trois séries-là. Et d'ailleurs, c'est les trois séries que j'adore le plus. Et donc si les vidéos ne sortent pas à quelque chose, c'est qu'il y a eu une grosse mise à jour, ou j'ai pas eu le temps, ou d'ailleurs je vais bientôt partir en vacances, donc ça m'empêchera. Oh, on a eu de la poudre de blaze dans un nid. Oh, plein d'os. Oh les gars, on a eu une émeraude. Deux émeraudes. Oh, on a eu des citrouilles. Oh putain, mais je kiffe ce mode. Je kiffe ce mode. Je le surkiffe ce mode. C'est un truc de dingue. Je kiffe ce mode. Alors du coup, on va manger. Ah, c'est dingue. Je surkiffe ce mode, vraiment. Donc voilà. J'espère que vous retiendrez. Et si, de toute façon, si jamais vous pourrez revenir sur cette vidéo. Mais bon. Donc, voilà. Ah. Allez, mon coco. Il est à la moitié. Mais en fait, j'ai peur que quand je pars, ça. Il ne pète. Et du coup, voilà. Alors, on va remonter. Je vais dormir. Parce que avant je faisais des ellipses et maintenant je dors. C'est beaucoup mieux. Tac. J'ai toujours pas d'armes et ça. Ok. Ça m'ennuie un peu. Ah merde. Désolé pour l'expression, mais vous voyez, il vient d'exploser et normalement il y a un monstre qui a apparu. Et ça m'ennuie. Le saut, je l'ai mis là. Il va falloir recommencer, hein. Ah, j'espère qu'on va pas devoir recommencer tout le temps parce que j'ai plus de cactus. Ah non, j'ai eu des trucs de cactus. Je sais plus où, mais j'en ai eu. Je crois que j'en avais une dans la vidéo précédente. Ou je sais pas quand. Du coup, on va les faire se recroiser. Je m'en fous du monstre, en fait. Moi, je tiens plus à mes vaches. J'adore les vaches. Ok, il est mort. Du coup, on a récolté un peu de métal. Ben, c'est le métal qu'on a utilisé pour construire ça. Donc, voilà. Attends. Oh non, le monstre, il est encore là. Voici mon triceratops. Il s'appelle Rat. Putain, c'est quoi ce truc là? Putain, je suis en train d'utiliser mon épée. En tout cas, ça fait le bruit d'un slim. Génial. Merci le truc. Du coup, je peux tout recommencer. Tac. Et je crois que je vais faire une ellipse parce que si je reste pas à côté, en fait, ça fait ça. Donc, je vais faire une petite ellipse. Allez, à tout de suite. Ok, religion. Et on a bientôt fini. Par contre, je suis un peu déçu pour le Mosasaur, j'aurais quand même bien voulu le lancer. Je n'ai rien fait pendant que ça ne tournait pas. Je suis resté ici, à côté. Il a toujours pas éclaté, il est presque prêt d'ailleurs, il va être prêt. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait que je prenne un deuxième seau de lait, mais à mon avis, ça va aller. Allez, allez, allez. Allez, 1%. S'il te plaît. Eh hey, frère. Il est bugué ou quoi? Mais il va plus y avoir assez de réservoirs. Vite. Mais merde. Ah, l'œuf de Triceratops. Nice, notre premier œuf de dinosaure. Parce que notre premier dinosaure, je sais pas si on l'aura maintenant, quoi. Faut voir comment ça se crafte.
Donc je vais regarder tout ça et ça m'en est que je peux. Alors, je vais regarder comment est-ce que j'ai fait. Alors, tac, il me faut donc le feeder et c'est tout. Il faut que je sache le craft du feeder. Et le feeder, il est là. Pourquoi je peux pas... Ok, j'ai compris. Ok, en fait, j'ai juste dû me taper tout le truc pour trouver ça, parce qu'on peut pas trouver comme ça. Alors, le craft est pas bien compliqué, en fait. Ouais, ben, ça va aller. Ça va aller. Où est-ce que j'ai mis tout mon métal? Là. Il me faut du verre, mais j'en ai plus du verre, mais j'ai du sable. Et du sable, c'est très très bien. Du verre cactus, j'ai que ça. Aïe. Ah non, mais je vais devoir me déplacer super loin. Ah non, ça c'est pas marrant. Ah, j'ai plus envie de faire d'ellipse. Et en plus de ça, j'ai mon coffre qui est plein. J'essaie de voir où est-ce qu'il y a un peu de place. C'est pas grave, je vais aller mettre ça en haut. Et j'ai toujours pas fini la maison. Mais je vais la finir, cette maison. Encore à l'épisode précédent, je me plaignais, j'avais pas fini cette maison. Ah, je me disais bien qu'il faisait frisquer aussi, là. Pendant que je dors. Même si j'ai une couette et j'ai des doudounes et tout, ben non, ben non. Je me disais bien qu'il faisait froid, quand même. Température, là. C'est pas moi... Ben si. Maintenant, j'ai pas de chauffage. Je veux dire, c'est pas moi qui paye le chauffage. Mais si, c'est moi qui paye le chauffage. Mais j'en ai pas. Et puis, je vois pas à qui je payerais ça. Même si j'ai pas de boîte aux lettres. Ben voilà, on a fini notre maison. Mais il fait noir. Et j'aime pas le noir, moi. Ah non, mais ça va, en fait. Il y a combien de lingots, là? Il y en a qu'un. Ouais. Du coup, je le laisse là, hein, ça fait plus joli. Mais cette pioche-là, on la laisse là. Hein. C'est la pioche du tout début. C'est la pioche sacrée. Vous m'entendez, c'est la pioche sacrée. Bon, du coup, bah, je vais me casser la tête à aller chercher du cactus. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît, parce que je pense que le désert, c'est très très loin. Oh non! J'aime pas ce genre d'arbre. Ils prennent des lustres à couper. Bon, allez, j'y vais. Ok, donc, les amis. En fait, je me rends compte que j'étais installé pas trop loin d'un désert. Et j'ai vu ça. Alors, je me demande, il fait pas trop mal. Est-ce que c'est ce que je pense? Oh non! J'ai cru que c'était des trucs à lancer. Alors, ils attaquent pas en groupe. Ils servent à rien. Ils sont nuls. Donc, j'ai pensé à retourner chez moi et reprendre de la nourriture, etc. J'ai mangé. Je suis retourné, je pense que j'ai suffisamment de cactus et je vais récolter un peu de ça. Oh, il y a un bébé. Mais en fait, il y en a partout. Donc c'est inoffensif, ça n'attaque pas. C'est juste neutre. Mais à quoi ça sert, ça? Bah oui, c'est vrai, je peux pas faire comme ça. C'est pas comme Newt et Newt. Je sais même pas dire le mode. Mais on est d'accord qu'il est Mirao. Tu veux que je le mette avec une majuscule, peut-être? Mais... Ah, ça, par contre, ça va m'énerver. Si je peux pas simplement taper le mot. Désolé, encore une fois. Ok, j'ai compris. Mais non, même pas. Ah, c'est de la... Ah, c'est de la viande! D'accord! Ah, mais je suis bête, moi.
Il était mis mythe. Du coup, bah, j'ai compris. Ah, mais cool! Oh, cool, cool, cool. De la viande. Du coup, je vais faire cuire ce cactus. Mine viande. Alors, je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui. Donc, le craft pour ça. Putain, mon téléphone là. Et ça. Ah, des seaux d'eau. Ah. Du coup, bah, je vais me refaire un seau parce que sinon ça va être vraiment trop long. De toute façon, le temps que... Ah bah oui, c'est vrai, j'ai de l'eau là. Ah. Tac. Alors, j'en ai déjà un là. Oh oui, de la viande. Si je me souviens bien, c'est ça. Ça. Je me souviens plus. Ok. Donc c'est ça. 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 Et ça. Ça, c'est ça. Ça. Nice! On a deux nouveaux incubateurs. Et je n'ai pas ce qu'il me faut. Il me faut ça. On va prendre la moitié. On va mettre cuir. Tac, on va mettre le cactus. Ça, mais qu'est-ce que je fous avec ça, sérieux? Mais on s'en fout? Des rails, franchement. Une barrière. Ouais, bon, en fait, on va la garder. Ça, on s'en fout. Ça, on va garder. Ça, on s'en fout. Franchement, au final, j'ai cherché longtemps pour rien, en fait. Donc, il me faut un bouton. Et quoi? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est... Voilà. C'est bon. Par contre, je sais pas pourquoi ils mettent un petit S ou je sais pas trop quoi. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Mais nickel. Nickel, nickel, nickel. Du coup, là, j'ai à manger. Est-ce que ça remplit bien? Oh oui. Oh, c'est bon, ça. Du coup, on va commencer à faire cet enclos, hein. Alors je vais pas faire un accéléré, hein, je vais faire un grand enclos suffisamment, hein. Parce que quand c'est grand, c'est grand. Hein. Ah mais pourquoi ça je peux? Regardez, ils mettent des petits F. Alors si vous entendez mon micro bouger, c'est tout à fait normal. Je cherche une bonne position pour mettre mon casque. Et il est grand temps que je m'achète un micro comme les autres, sérieusement. Pendant les vacances, je m'en achèterai un, c'est pas possible. Je vais faire des petits travaux, je gagnerai de quoi faire. Et je pourrai enfin vous parler correctement sans un petit bruit de fond, celui-là. Bon, moi je l'entends pas, mais vous l'entendez. Ne me dites pas le contraire. Du coup, il me faut un dinopédia avant tout. Ah là, c'est obligé. J'avais un fossile. J'avais ça. Ça. Donnez-moi ça. Alors, pour faire un livre, j'ai vu. Là, ok. Il faut que j'aille tuer une vache. Dites-moi si vous voulez aussi revoir de l'arc, enfin ARK Hunger Games. Parce que c'est vrai que pour le moment, je vais pas me la péter, mais parce qu'il y a beaucoup plus fort que moi. Là, j'ai perdu quoi, 10 fois, 11 fois. Ah, il est là, votre petit. Mais j'ai pas eu de cuir. C'est une blague. Ah non, c'est une blague. Ah non. Oh, mais je vais m'en prendre un. Ah là, c'est plus possible. J'ai trop envie d'avoir un dinosaure. Donc, je peux pas. Ok. Donc, oui, je vous disais.
si vous voulez, du arc Hunger Games, ce sera très simple. Donc le planning, c'est samedi et mercredi. Donc il y aura par exemple mercredi sur la série normale et samedi sur l'Hunger Games. Mais donc je disais, j'ai gagné 10 fois en tout. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Du coup, je m'en prends un. J'aime pas faire ça. Mais bon, là, elle stop au bout d'un moment. Voilà. Et notre Dinopédia. Wow. On va faire l'enclos juste devant la maison. On va se le faire... non, pas ici. Ici. J'aimerais bien quand même mettre deux de hauteur. Et que ce soit assez grand pour notre pépère. Parce que je crois qu'il fait la moitié de ma maison quand il est adulte. Si c'est bien ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai encore du bois au moins ? Bah, de toute façon, il y a l'arbre. Il y a l'arbre. Bon, ben, je vais aller chercher tout ça. Hein. Ok, j'ai pris tout le bois qu'il me fallait. Et en fait, si vous voulez, ça me fait rire. C'est con, mais ça me fait rire. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de mettre pause, je crois que vous entendez que j'appuie sur mon clavier. Mais en fait, quand j'appuie sur une autre touche que celle où... pour mettre pause, eh ben, ça marche pas. Ça me l'a fait sur Arc. Ça me l'a fait sur Minecraft, ça me le fait sur tous les jeux. Et en fait, ça me fait rire parce que du coup, vous m'entendez et je vais pas commencer à couper des petits morceaux comme ça de vidéo. Ah, j'ai cru que j'avais pas eu de graines. Et donc, voilà. Donc, j'ai tout le bois qu'il me faut, je pense. J'ai pas tout pris parce que c'est vraiment une galère pour enlever toutes les bûches. Maintenant, c'est vrai, ça peut être un avantage, mais... Oh là là. Tac. Non! Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Oh merde. Oh non, non, non. On peut pas les retransformer en bois, en bâton, en bois, s'il vous plaît. Putain, non. Oh non, ça c'est vraiment pas cool. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en train de rire derrière leur écran. Oh non, mais c'est vraiment pas drôle. Merde. Putain, mais j'ai 64 boutons, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sais. J'alimenterai mes fours. Eh ouais. J'ai une utilité à tout, moi. Bon, du coup, notre coco, j'aimerais bien le faire naître avant la fin de cette vidéo. On est quand même à 23 minutes. 24 avec l'intro, je pense. Oh non, mais du coup, je vais devoir faire... vous savez quoi, je ferai une porte. Hein. J'ai la flemme de faire une barrière, de regarder le craft. Mais... Non! Il faut que le veau, il soit adulte. Alors, il mange aussi les feuilles qui sont par terre, donc ça peut être pas mal. Donc, avec la poudre d'os... Je peux en faire planter et voilà la torche qui est là au mauvais moment. Au mauvais endroit, pas au mauvais moment. Mais pourquoi au mauvais moment? Dites-moi pourquoi. Non. Tac, 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 tac. Allez, deux hauteur maintenant. Et on aura fini. Je crois que je vais carrément mettre l'œuf maintenant. Et je vais me dépêcher d'aller chercher un peu de bois, de faire une porte. Et il éclora normalement quand j'arriverai. Ok, c'est parti, attendez, attendez. D'abord, on va regarder si on peut mettre. On peut mettre! On peut mettre! On peut mettre ça? On peut mettre? On peut mettre ça? On peut? On peut mettre ça? On peut? On peut? Mais oui, mais... Excellent.
Excellent. Ok, ça va être une course. L'entrée, elle est là. Est-ce que ça va vite au moins? Ok. Il a chaud et froid, donc ça n'avancera pas plus vite que ça. Là, vous allez voir mon talent pour aller super vite. Je prends toujours l'escalier. Aïe. En plus, j'ai faim, là. Vous avez vu, quand je suis d'ici à là, j'ai perdu même pas un cœur. Vite, du bois. Oh, tant pis. Il me faut juste la porte, les deux de hauteur. Tant qu'il est bébé, à mon avis, il passera pas. Donc je sais qu'il y a une soupe au poulet. On peut faire une soupe au poulet qui fait qu'ils peuvent grandir plus vite. Chose que je ne ferai pas. J'ai envie qu'ils grandissent tout au long de la série avec nous. Tac, tac, tac. Vite! J'ai pas envie qu'ils s'échappent et si je suis pas à côté de l'œuf, il n'est pas à moi. Merde. Voilà! Alors il en est à combien? Il a chaud 23%. Nice! On va juste remettre quelques barrières là parce que j'ai peur qu'avec la porte il puisse se glitcher. Voilà. Alors je vais manger encore un peu. Je tenterai bien de prendre quelques graines là maintenant. Ouais, quoique, je vais juste prendre les fleurs et les mettre dedans. Putain, mais mon téléphone, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? J'ai jamais de message. Et c'est forcément quand je fais une vidéo que j'ai des messages. C'est bizarre. Hein, ou c'est quand je joue, qu'on m'appelle. Ou ça m'arrive tout le temps. On m'appelle tout le temps quand je joue. Je suis tranquille, j'ai un Rex, j'ai un Spino, j'ai un Raptor, j'ai un Carno, j'ai tout. Sauf des armes, parce que moi je suis plus full timing. Et on m'appelle. Tranquille. Est-ce que celle-là je peux la mettre? Non, je peux pas la mettre celle-là. Ça avance pas beaucoup, mais ça avance quand même un peu. Alors. 64%. Est-ce qu'il y a plus de fleurs jaunes? Non. Devant, il y en a une. Il y en a. Oh, il y en a plein. C'est cool. Faut pas que je sois en retard parce que. Oh là là. Je vais me faire buter si je suis. Si c'est pas mon dino. J'ai pas envie de le tuer. En plus, on peut pas les apprivoiser comme dans Ark. Ce qui est tout à fait normal vu que c'est deux jeux différents. En fait, je crois que je devrais utiliser le bois de ces arbres de merde, hein, on peut le dire, parce que j'aime pas ces armes. Oh, 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 92%. Ok, je suis tout prêt. Ok, 96, 97, 98, 99. Maintenant. Oui. Oh, il est trop chou. Vous entendez cette musique? Oh, il est beau, il fait déjà un beau bruit. Par contre, s'il te plaît, tu peux te mettre là. Alors pour qu'il soit heureux, ça c'est une nouvelle mise à jour, il faut une balle. Il est timide, c'est une femelle. Elle est à moi. Je peux le contrôler avec un bâton. Elle dort, parce qu'il y a des dinosaures qui ne dorment pas. Et elle a 0 ans. Et je sais pas parler anglais. Elle a 0 ans, oui ça se dit, elle n'a pas d'âge. C'est mieux. Tout mignon. Oh. Oh bah oui. Ça me rappelle mon chien quand il était bébé. Et y en a qui vont me demander c'était quoi, bah c'est un cavalier King Charles. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors je vais juste regarder comment on fait une balle. Ok, donc pour une balle, il faut une balle noire. Et comment je fais une balle noire? Ah, oh ça va. Oh mon coco, tu vas avoir une balle. Tu vas avoir une balle. En tout cas, on va se quitter avec lui. On se mettre comme ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a extrêmement plu parce que du coup, on a un enclos pas trop mal qu'il faudra quand même agrandir parce que il est extrêmement grand quand il est adulte. Et ça change au moins parce que là, je fais plus mes outros dans ma maison. Ça fait franchement plaisir de voir une petite bête qui se balade.
Notre premier dinosaure, c'est un tricératops. Une belle petite bête. On dira plus ça dans quelques épisodes. Parce que je crois qu'ils grandissent. Un jour Minecraft, c'est un an. Mais vraiment 24 heures Minecraft. C'est pas nuit-jour et c'est bon, non. C'est vraiment 24 heures Minecraft. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi j'ai qu'une seule chose à vous dire. Ciao tout le monde, peace et à bientôt pour une prochaine vidéo.